En juillet 1992, un jeune secrétaire de comité préfectoral du Parti communiste chinois a publié un livre intitulé « Sortir de la pauvreté ». Ce livre proposait de nombreuses idées, méthodes et concepts constructifs pour solutionner, le plus rapidement possible, le problème de pauvreté dans l'est du Fujian. Dans la postface, ce secrétaire écrivit « Ce n'est qu'en éliminant d'abord la pauvreté dans notre esprit que nous pourrons éliminer la pauvreté dans la région gérée par nous, puis dans notre pays, en vue de nous orienter sur la voie de la prospérité et de l'enrichissement. » Ce jeune auteur est Xi Jinping, à l'époque secrétaire du comité du Parti communiste chinois de la ville-préfecture de Ningde, dans la province du Fujian. En 2012, 20 ans après la publication du livre « Sortir de la pauvreté », sous la direction de cet ancien secrétaire du comité préfectoral du parti, les 1,4 milliard de Chinois ont lancé une lutte sans précédent dans l'histoire de l'humanité pour éliminer totalement la pauvreté. Planète bleue est la maison commune de toute l'humanité. Malheureusement, la pauvreté ne s'éloigne jamais vraiment d'elle. En 1990, en s'appuyant sur le seuil de pauvreté défini par la Banque mondiale et une ressource d'$1,9 par jour, on comptabilisait près d'1,9 milliard de personnes vivant dans la pauvreté absolue sur Terre. 80% des populations pauvres se trouvaient en Asie de l'Est Pacifique et en Asie du Sud. Ces 30 dernières années, le taux de pauvreté de cette zone, en particulier l'Asie de l'Est Pacifique, a considérablement diminué. Le moteur essentiel du changement de la situation mondiale de la pauvreté, c'est la Chine. Dans l'histoire, les progrès débutent souvent par un moment clé. En 2012, la nation chinoise a connu ce moment crucial quand elle a commencé sa nouvelle marche vers la construction in extenso d'une société de moyenne aisance. Notre responsabilité, le 29 décembre 2012, la température du district de Fuping, dans le Hebei, est d'environ moins 10 degrés. Xi Jinping, devenu secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois depuis peu, est venu ici en voiture à plus de 300 km de Beijing. Pendant cette inspection, Xi Jinping a relevé que l'éradication de la pauvreté, l'amélioration du niveau de vie de la population et la réalisation progressive de la prospérité commune sont des exigences propres du socialisme et des missions importantes du parti. Le peuple est accablé. Peut-être l'aiderons-nous à trouver de la facilité.
Au fil des siècles, la nation chinoise aspire à une vie de moyenne aisance. Cependant, en raison d'un niveau de production bas et des facteurs comme des maladies, guerres et sinistres naturels, le peuple n'a jamais été éloigné de la pauvreté, même lors des apogées dans l'histoire. En 1940, la guerre de l'opium a fait de la Chine un pays semi-colonial et semi-féodal. Le peuple chinois, déjà plongé dans une réalité atroce, est tombé dans un état encore plus misérable. Avant la fondation de la Chine nouvelle, la Chine comptait le plus grand nombre de pauvres au monde. Le revenu national par habitant était de seulement 27 dollars américains. Dans les images d'archives de cette époque, les Chinois étaient presque tous en haillons. Ils étaient maigres et pâles. Après la fondation de la Chine nouvelle, le Parti communiste chinois a conduit le peuple à déclarer la guerre à la pauvreté. L'instauration du système socialiste a éliminé la structure sociale inégale qui était à l'origine de la pauvreté, jetant ainsi la base institutionnelle pour éradiquer la pauvreté. La réforme et l'ouverture ont permis à ce processus d'entrer dans une nouvelle période historique. Les projets d'aide aux plus démunis par le développement ont été mis en œuvre de manière planifiée, organisée et à grande échelle sur le territoire chinois. En quelques décennies à peine, plus de 700 millions de ruraux, définis comme pauvres, selon le critère en vigueur, sont sortis de la pauvreté. Alors que le grand fleuve de l'histoire se déroulait vers l'année 2012, la lutte contre la pauvreté en Chine, par le biais du développement, est entrée dans sa dernière ligne droite. Durant cette période, la crise de l'endettement européen n'était pas encore terminée. La croissance économique était ralentie partout dans le monde. L'écart croissant entre les riches et les pauvres déchirait la société occidentale. Au même moment en Chine, la réforme et l'ouverture mises en œuvre depuis des décennies avaient créé un miracle économique qui retenait l'attention du monde entier. La Chine possédait désormais les usines et les bâtiments les plus denses et la plus grande population à revenus moyens au monde. Parallèlement à ces réalisations remarquables, 98,99 millions d'habitants ruraux chinois vivaient encore dans la pauvreté. Ce nombre est plus important que la population totale du pays qui se classe à la 12e place sur le classement des pays en matière de la population du monde. Ces habitants souffraient non seulement d'une pauvreté profonde et de capacités faibles à se développer, mais ils souffraient aussi de vivre dans des régions montagneuses difficiles d'accès, aux conditions naturelles rudes et dans une économie sous-développée. La réduction de la pauvreté y était plus coûteuse, plus difficile et plus lente que jamais. En utilisant des idées et méthodes conventionnelles et en poursuivant le travail pas à pas, l'éradication complète de la pauvreté était quasi impossible. À la veille du Nouvel An chinois 2013,
Xi Jinping a effectué sa première inspection du nouvel an en tant que secrétaire général du parti. Il a visité les villages de Yangudui, de la ville de Dingxi, et de Bulongo, du district autonome de Dongxiang, de la préfecture autonome Hue de Linxia. Après cette inspection, visiter une région pauvre lors de l'inspection du Nouvel An est devenue une habitude de Xi Jinping.也忘不了贫困人口的事儿，忘不了脱贫攻坚的事情。每年我们有一个扶贫日，他都要做出批示，向全党、全社会提出一些要求。他就是要把这个历史任务要把它完成，要让老百姓过上更好的日子。 Sur ce chemin montagneux, sinueux, Xi Jinping a marché pendant 7 ans. En 1969, Xi Jinping, alors jeune instruit, âgé de 15 ans, est arrivé au petit village de Liangjiahe, dans le nord du Shaanxi. La pauvreté lui a non seulement laissé un souvenir impérissable, mais lui a également donné une persévérance et une détermination rares pour son âge. En évoquant cette période, Xi Jinping raconte. Sur la terre jaune stérile au nord du Shaanxi, je réfléchissais sans cesse sur la question être ou ne pas être. Au final, j'ai décidé de me consacrer à la patrie et au peuple. 7 ans de labeur, 7 ans d'épreuves. D'un jeune homme qui ne gagnait que 6 points de travail par jour, il est devenu secrétaire de la section locale du parti et commence à gagner 10 points de travail par jour. 你看他给我们打了把，瓦罗智秋进，戒了戒烟室，戒了杀死敌寇，招妻吃，所以我们村上呢，从习近平到老书记，才2年时间内呢，发生了这个反起复辟的变化，所以我们了解时候呢，比较相信他，他说干什么我们就跟上干什么。De Chengding à Ningde, du Zhejiang à Shanghai, jusqu'aux fonctions de secrétaire général du parti, au cours de ces 4 décennies, le peuple a occupé une place de plus en plus importante dans le cœur de Xi Jinping. Des sentiments personnels naïfs au devoir d'un membre du parti, Xi Jinping a su ensuite élever son niveau pour devenir le dirigeant d'un grand pays. Nous sommes maintenant, en 2020, pour construire 要抓好脱贫工作，所以在脱贫的道路上，在奔小康的道路上，一个也不能少。 C'est une bataille. 98,99 millions de ruraux pauvres. Tel est le nombre obtenu via une enquête effectuée par le Bureau national des statistiques au moyen de différents sondages auprès des foyers ruraux. Mais qui sont-ils? Où habitent-ils? Pourquoi sont-ils pauvres? Personne ne peut l'expliquer clairement. Au village de Shebadong, dans la préfecture de Shaanxi du Hunan. Prendre un repas à la paysanne, dans la cour, devant la maison du villageois Shi Chengfu, est maintenant une activité de premier choix pour les touristes. Le 3 novembre 2013, c'est dans cette petite cour que Xi Jinping a mentionné pour la première fois l'assistance ciblée aux démunis. On ne bombarde pas des puces avec des grenades.
a-t-il dit aux villageois pour leur expliquer de façon imagée la réduction de la pauvreté. Selon lui, pour mener à bien ce travail, il faut éviter tout slogan vide et tout objectif irréaliste et accomplir les tâches une par une. La proposition de l'assistance ciblée aux démunis a éclairé les pistes de réflexion et indiqué la bonne direction pour le travail de l'étape suivante. Pour apporter une assistance ciblée aux démunis, il faut d'abord les identifier de manière précise. En avril 2014, 800 000 cadres du parti, des régions pauvres, ont commencé à visiter les familles dans les villages. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, des déserts aux montagnes et forêts reculées, ils ont parcouru tout le territoire chinois. ...128 000 villages et 89,62 millions d'habitants pauvres ont été identifiés. Des dossiers et fiches ont été établis avec leurs informations enregistrées en vue d'effectuer une gestion dynamique de leur cas. En 2015, pour rendre encore plus précises les données de la population pauvre, le système national d'assistance aux démunis a mobilisé plus de 2 millions de personnes pour passer en revue les dossiers et fiches. Ce travail, qui a duré 10 mois, a ajouté dans le registre 8,07 millions de personnes souffrant d'extrême pauvreté et en a exclu 9,29 millions qui ne répondaient pas aux critères. Les personnes devant bénéficier d'une assistance ont été repérées de manière précise. Le 18 juin 2015, lors d'un séminaire sur la lutte contre la pauvreté et le développement social et économique de certaines provinces, régions autonomes et municipalités, Xi Jinping a résumé les points clés de l'assistance ciblée aux démunis en 6 précisions. Puis il a proposé le projet d'ID5 pour un objectif pour sortir de la pauvreté. En 2015, le monde concentrait aussi son regard sur la pauvreté. En septembre 2015, le sommet des Nations Unies sur la pauvreté s'est tenu à New York, aux États-Unis. L'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes d'ici 2030 a été fixée comme le premier objectif pour le développement durable mondial. Après le sommet, la Banque mondiale a annoncé avoir relevé le seuil de pauvreté de 1,25 à 1,9 dollars américains par jour. La même année, lors de la 5e session plénière du 18e comité central du Parti communiste chinois, il a été formulé de manière déterminée l'objectif d'éradiquer la pauvreté, de manière à en sortir toutes les populations rurales démunies et tous les districts pauvres, définis selon les critères en vigueur dans notre pays, et résoudre la pauvreté globale régionale. La réalisation de cet objectif permet à la Chine d'atteindre, 10 ans plus tôt, des objectifs en matière d'élimination de la pauvreté définis dans le programme de développement durable à l'horizon 2030, ce qui a montré au reste du monde le courage et la détermination de ce parti politique pour éradiquer la pauvreté. Le mont Liaopan est la dernière grande montagne traversée par l'armée rouge des ouvriers et des paysans de Chine. Après avoir escaladé la montagne, l'armée rouge a brisé les tentatives de poursuite et d'encerclement de l'ennemi. La révolution chinoise était entrée dans une nouvelle phase. La 5e session plénière du 18e comité central du parti a remplacé l'objectif d'aider les démunis par celui de lutter contre la pauvreté.
À propos de ce changement, Xi Jinping a déclaré que la lutte contre la pauvreté était comme le mont Liopan. Nous ne pourrons remporter la victoire finale de la longue lutte contre la pauvreté qu'après avoir franchi cette dernière épreuve. Pour escalader cette dernière haute montagne, en novembre 2015 s'est tenue la réunion du comité central du parti pour l'assistance aux démunis par le développement. Un ensemble de dispositions visant à lutter contre la pauvreté a été pris. Le comité central du parti et le Conseil des affaires d'État ont, par la suite, adopté le projet de réduction de la pauvreté pour le 13e plan quinquennal, fixant le calendrier et la feuille de route pour gagner cette bataille contre la pauvreté. Dans le bureau de lutte contre la pauvreté du Conseil des affaires d'État sont conservés des documents importants pour la réduction de la pauvreté signés et adressés au comité central du parti par les dirigeants principaux du parti et du gouvernement des 22 provinces, régions autonomes et municipalités situées au centre et à l'ouest du pays. L'emblème du parti est imprimé sur la couverture. Dans ces documents sont précisés le nombre des districts pauvres et des ruraux pauvres, ainsi que le contenu de leurs promesses faites au comité central du parti. Le dernier article dans les documents stipule que les dirigeants doivent rapporter chaque année au comité central du parti et au Conseil des affaires d'État les résultats de l'aide aux démunis et de la réduction de la pauvreté pour être soumis à l'inspection et à l'examen. On se dit, tiens, « Jun zong wu xi yan »« Tien le zhe ren shu »« Li le jun lin zhuang »« Mi jiu yao zuo dao » Ce sont nos promesses aux citoyens. Nous avons participé à la réunion, nous avons une sensation commune, c'est que la lutte contre la pauvreté, le président a pris la plus grande décision. Donc nous avons seulement un petit chemin, posé la ceinture pour faire. Cette forme d'engagement et de documents officiels signés existe dans les comités du parti et les gouvernements de tous les niveaux, dans les 22 provinces, régions autonomes et municipalités. Ils ont permis de renforcer le mécanisme d'élimination de la pauvreté planifié par le gouvernement central, dirigé par les gouvernements provinciaux et mis en application par les gouvernements au niveau de la municipalité, préfecture et du district. Du haut commandement du comité central du parti aux échelons de base, le secrétaire général Xi Jinping a mené les fonctionnaires à concrétiser leurs responsabilités échelon par échelon pour finalement tenir leurs promesses au peuple. Les armures sont usées par les centaines de batailles dans le désert. Mais ils ne retourneront pas chez eux avant d'avoir repoussé les ennemis au-delà des frontières. En été 2016, à l'occasion du 30e anniversaire de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté par le développement et du 20e anniversaire de la coopération Est-Ouest sur la réduction de la pauvreté, le symposium de coopération Est-Ouest sur la réduction de la pauvreté s'est tenu à Yinchuan, au Ningxia. Lors de cette réunion, Xi Jinping a demandé aux régions de l'Est du pays de redoubler d'efforts pour aider les régions de l'Ouest à gagner la bataille décisive contre la pauvreté. Des dispositions globales pour lutter contre la pauvreté, des efforts concertés pour parachever la construction in extenso d'une société de moyenne aisance. Le 21 février 2017, la fête des lanternes vient de passer. Une étude collective du bureau politique du comité central se tient à la résidence Zhongnanhai à Beijing. Alors,
剩下的贫困人口集中在连片特困地区、革命老区、少数民族地区、边疆地区，成为贫中之贫、困中之困、艰中之艰。Après avoir regardé le documentaire, Xi Jinping a déclaré « Des gens mènent toujours une vie si difficile et des régions sont encore si pauvres. Je souffre de cette situation. Il est temps pour le gouvernement central de se résoudre à lutter contre la pauvreté extrême. » À ce moment-là, la population pauvre de la Chine avait chuté de 98,99 millions en 2012 à 43,35 millions fin 2016. Cet exploit était formidable. L'expérience internationale montre que lorsque la population pauvre représente environ 3% de la population totale, la réduction de la pauvreté est dans sa phase la plus difficile. En 2017, la population pauvre approchait ce niveau en Chine. 4 mois après cette étude collective, un symposium consacré à la réduction de la pauvreté dans les régions de pauvreté extrême s'est tenu à Taiyuan, dans le Shanxi. La réunion a défini comme priorité pour la lutte contre la pauvreté 3 régions et 3 préfectures. À l'automne 2017, le 19e congrès du Parti communiste chinois a précisé le calendrier et la feuille de route pour la construction in extenso d'un grand pays socialiste moderne. Au moment historique de réaliser les objectifs des 2 centenaires, gagner la bataille décisive contre la pauvreté et parachever l'édification intégrale d'une société de moyenne aisance revêtent une signification profonde et durable. Permettre aux pauvres et aux régions défavorisées d'entrer avec tout le reste du pays dans une société de moyenne aisance. Cet engagement solennel du parti a été inscrit dans le rapport du 19e congrès national du parti. Le 19e congrès du Parti communiste chinois a considéré la réduction ciblée de la pauvreté comme l'une des 3 grandes batailles permettant de parachever l'édification intégrale d'une société de moyenne aisance. Publié dans la foulée, le document directif du comité central du PCC et du Conseil des affaires d'État sur la campagne triennale pour gagner la bataille décisive contre la pauvreté exige que tout le parti se mobilise et concentre ses efforts sur l'éradication de la pauvreté extrême. En novembre 2017, les responsables de 6 provinces et régions autonomes, où se trouvent les 3 régions et 3 préfectures, se sont rendus à Beijing les uns après les autres. Ils ont fait un compte-rendu aux autorités centrales sur le plan d'action de réduction de la pauvreté dans les régions de pauvreté extrême, le premier du genre dans l'histoire de la lutte contre la pauvreté de la République. Dans cette salle de conférence du bureau de lutte contre la pauvreté du Xinjiang, le personnel a travaillé jour et nuit à la recherche des solutions les plus efficaces aux problèmes les plus difficiles des 4 préfectures du sud du Xinjiang, région de pauvreté extrême. Au cours de l'élaboration du plan, le groupe dirigeant et 19 ministères et commissions ont assuré en permanence le suivi et l'orientation. En février, il fait un froid polaire dans les montagnes de Dalyangshan, dans le Sichuan. Ici, c'est non seulement la plus grande région où se trouve l'ethnie Yi, mais aussi une région typique de la pauvreté extrême dans le pays. Parmi les 17 districts et villes de la région, 11 sont des districts de profonde pauvreté, avec une population pauvre de 970 000 personnes.
À la veille de la fête du printemps, première après le 19e congrès du Parti communiste chinois, Xi Jinping s'est déplacé ici. Parcourir cette route montagneuse de plus de 70 km avec des virages serrés et des montées abruptes a pris 2 heures de voiture. Malgré le froid glacial, Xi Jinping a rendu visite aux villageois et s'est renseigné attentivement sur les conditions de vie des personnes pauvres. Cette année-là, des ressources humaines, des fonds et des matériaux ont été rapidement réunis dans les régions les plus touchées par la pauvreté en Chine. Plus de 340 milliards de yuans ont été débloqués pour la mise en œuvre du plan de réduction de la pauvreté dans les régions de grande pauvreté. Fin 2018, la Chine ne comptait que 16,6 millions de personnes vivant dans la pauvreté dans ces régions rurales. Il ne restait qu'un dernier kilomètre à parcourir pour que la nation chinoise se débarrasse de la pauvreté. À ce moment clé, les autorités centrales ont constaté des problèmes saillants au cours de l'évaluation de l'efficacité de la réduction de la pauvreté dans diverses provinces. Le double dispositif et la triple garantie consistent à satisfaire les besoins de base en matière de nourriture et d'habits et à offrir des garanties en matière d'enseignement obligatoire, d'assurance maladie de base et de logement décent aux populations pauvres vivant en milieu rural. Lors du symposium tenu par la suite, Xi Jinping a demandé au ministère de l'Éducation et à 4 départements concernés par le double dispositif et la triple garantie de mettre en place des mesures efficaces pour s'assurer que les tâches soient accomplies comme prévu. Les ministères et commissions concernées ont rapidement engagé des actions. Fin 2019, plus de 5,2 millions de déshérités ont vu leurs besoins de base satisfaits et ont bénéficié de garanties en matière d'enseignement obligatoire, d'assurance maladie de base et de logement décent. La pauvreté est comme le vent. Le vent a de la force. Les faibles sont toujours emportés par le vent. Tandis que les forts avancent contre le vent et laissent le vent derrière eux. Cela demande non seulement de la force, mais aussi de la foi et de la détermination. Les fleuves et les rivières sont immenses et les montagnes sont magnifiques. Mais le long fleuve de l'histoire ne connaît aucun repos. Le monde d'aujourd'hui traverse des changements majeurs inédits depuis un siècle. La mondialisation économique est confrontée à des contre-courants. Le protectionnisme et l'unilatéralisme gagnent du terrain. Après 40 ans de réformes et d'ouverture, la Chine a résisté aux épreuves et se trouve dans sa période de développement la plus favorable de l'ère moderne.
Cependant, une nouvelle épreuve a surgi. Début 2020, l'épidémie du nouveau coronavirus est soudainement arrivée, prenant de court le monde et mettant sévèrement la Chine à l'épreuve. Ce grand pays, peuplé d'1,4 milliard de personnes, au PIB de près de 100 000 milliards de yuan, a appuyé sur le bouton pause. Cette pause a eu un impact énorme sur l'économie et la société chinoise, posant de sérieux défis à la lutte décisive contre la pauvreté. Aujourd'hui, c'est 2020, 2月23日. Jusqu'à maintenant, beaucoup de personnes ne peuvent pas sortir. La transport, la Le 6 mars 2020, durant la phase cruciale de la bataille contre l'épidémie, un symposium sur la lutte décisive pour éradiquer la pauvreté s'est tenu à Beijing. Ce séminaire s'est tenu en visioconférence, réunissant les responsables de toutes les provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement des autorités centrales, ainsi que ceux des districts des 22 provinces, régions autonomes et municipalités du centre et de l'ouest qui ont signé un engagement en matière de réduction de la pauvreté. Dans le contexte de l'épidémie, deux groupes de personnes se sont croisés. L'un était le personnel soignant venu de tout le pays pour lutter contre l'épidémie dans le Hubei. L'autre était le personnel de lutte contre la pauvreté se précipitant dans les villages démunis à travers le pays. Conformément aux dispositions du comité central du parti, le groupe dirigeant du Conseil des affaires d'État pour la réduction de la pauvreté par le développement a rapidement mis en place une série de mesures politiques précises pour aider les 52 districts pauvres restants à garantir l'emploi, à stabiliser la production et à reprendre les activités économiques. Cela a permis de minimiser l'impact de l'épidémie sur la lutte décisive pour éradiquer la pauvreté. L'année 2020 a mis à l'épreuve la foi et la volonté des communistes chinois. Alors que l'épidémie n'était pas totalement maîtrisée, les inondations se succèdent. En l'espace d'un mois, Xi Jinping a donné, à trois reprises, des instructions importantes sur la situation des inondations, exigeant que des efforts soient déployés pour coordonner la reconstruction après les inondations et la lutte contre la pauvreté. Des soutiens devaient être accordés aux populations des régions pauvres et des régions touchées par les inondations afin d'éviter qu'elles tombent ou retombent dans la pauvreté suite aux catastrophes. Le groupe dirigeant du Conseil des affaires d'État pour la réduction de la pauvreté par le développement
a exigé que les travailleurs tombés ou retombés dans la pauvreté en raison des inondations et des catastrophes naturelles bénéficient d'une aide dans les meilleurs délais. L'objectif en matière de réduction de la pauvreté n'a pas changé et le délai prévu n'a pas été modifié. Le 9 octobre 2020, la Banque mondiale a publié un rapport selon lequel, en raison de la Covid-19 et de la récession économique qui en résulte, plus de 100 millions de personnes supplémentaires vont tomber dans l'extrême pauvreté. Il s'agit de la plus forte croissance du nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté enregistrée depuis que la Banque mondiale a commencé à compiler ces données en 1990. Cela marque la fin de la baisse continue du nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté au cours des 20 dernières années. La Chine, fin 2020, s'est complètement débarrassée de la pauvreté absolue. Grâce à cette réalisation historique, la nation chinoise a vu son rêve plusieurs fois millénaire devenir réalité et le Parti communiste chinois a tenu son engagement envers le peuple. Le temps est un témoin fidèle et un grand écrivain. Jinggangshan, dans le Jiangxi, est la première base révolutionnaire créée par le Parti communiste chinois. C'est ici que le Parti communiste chinois a promis d'émanciper le peuple et de lui permettre de vivre une vie heureuse. Aujourd'hui, ce berceau de la révolution chinoise s'est débarrassé de la pauvreté et a vu la promesse du Parti communiste chinois tenue. La Chine, qui représente près d'un cinquième de la population mondiale, a complètement éliminé la pauvreté. Il s'agit d'un miracle chinois dans l'histoire de la réduction de la pauvreté de l'humanité, aussi bien en termes de rapidité d'élimination que de nombre de personnes sorties de la pauvreté et d'efforts consacrés.